atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake Alors, on commence par M. Kayumba Ateo. Oui, merci, M. Noël-Toyenamongo. Merci, M. l'ambassadeur. Merci, moi, à tous les organisateurs. Mon nom, c'est Théogène Kayumba et je suis donc l'heureux rescapé par l'opération turquoise. Et c'est pourquoi j'aimerais donc apporter un témoignage. Donc, je remercie tout d'abord la force donc, de l'opération turquoise et plus particulièrement au général Lafourcade qui est ici, au colonel Jacques Hogard qui est ici aussi pour leur contribution et pour vraiment l'aboutissement de cette mission qui a été salutaire pour beaucoup de millions de Rwandais. Et donc, moi, en tant que bénéficiaire, et particulièrement ma belle-mère, nous sommes arrivés à Boutaré en juin 1994. Moi, ma femme, notre fille Vanessa, qui était alors âgée de 4 ans. Et nous avons été hébergés par la grande sœur à ma femme, qui était épouse d'un officier major pilote des phares. Et nous étions donc une grande famille, donc avec leurs petites sœurs, toute leur famille, quoi. Et à côté, il y avait une autre famille du docteur Kadiruka, qui doit être en prison encore actuellement. Et pourtant, il est Tutsi, donc il était médecin à l'hôpital de Boutaré, originaire de Kibuye. Donc, il habitait tout près de là où on était, donc tout près de du quartier des officiers de Boutaré. Et nous avons passé ensemble donc le mois de juin là-bas à Boutaré. Mais vers fin juin, la situation est devenue tendue parce que les forces du FPR étaient à quelques 20 km comme ça. Alors les gens ont commencé à fuir vers Gikongoro et Kangougou. Et la grande sœur à ma femme, qui était donc la femme d'un officier, elle avait été évacuée bien avant. Et notre voisin, donc le docteur Kageruka, voyait que la situation devenait tendue et que les gens commençaient à fuir donc à paniquer. Et lui ne pouvait pas fuir parce que justement il était Tutsi, donc il avait une famille Tutsi. Donc, pour lui, fuir, c'était hors question. Donc, il continuait donc à servir. Il avait donc trouvé vraiment une protection là-bas. Il continuait à travailler, mais aussi à protéger sa famille, quoi. Alors, vu que nous avions de bonnes relations, donc, il nous a trouvé un minibus de l'hôpital universitaire pour évacuer ma famille et certains malades de l'hôpital qui étaient blessés, il y avait des militaires. Alors, début juillet, c'est-à-dire le 1er, je crois, le 1er, si mémoire sont bonnes, le 1er juillet 1994, nous avons embarqué, donc, nous avons embarqué pour Gikongoro et puis Kyangugu. Et puis, arrivé à la hauteur de Guindamuyaga, ceux qui connaissent Boutaré, vous souvenez où c'est. Il y avait un barrage donc, des Interahamwe qui nous a arrêtés pour le contrôle des papiers. Donc, tout le monde a été contrôlé. Et seule ma belle-mère, donc, qui est Tutsi, n'avait pas sa carte d'identité. Donc, elle a été sortie de la camionnette.
Moi et ma femme, nous avons essayé, bien sûr, d'insister pour qu'on puisse continuer, mais c'était en vain. Et donc, sous des menaces que nous allions être tous débarqués, nous avons repris, malgré nous, le chemin. Donc, j'ai repris le volant, mais c'était dur. Donc, nous l'avons laissé là-bas. Et nous sommes dirigés vers Gikongoro. Et alors, nous sommes arrivés à Gikongoro vers 16h, 17h comme ça. Et fatigués, abattus, découragés. Donc, on a laissé ma belle-mère, la mère à ma femme. C'était dur. Mais à Gikongoro, il y avait beaucoup de monde. Donc, il y avait vraiment, c'était bondé, c'était plein. On ne pouvait pas trouver même trouver difficilement une place. Alors, nous avons décidé de continuer. Au moins, on se disait, avant la tombée de la nuit, si on pouvait traverser la forêt pour arriver à Kiangougou et rejoindre donc la grande sœur à ma femme qui était déjà là-bas, ça serait mieux. Mais hélas, cela n'a pas été possible parce que, arrivé au milieu de la forêt, à cause de la fatigue donc et de la tristesse, et j'ai loupé un virage donc dans la forêt, et puis la camionnette donc s'est renversée. Il a fait plusieurs tonneaux dans la forêt, rejetant les uns après les autres. Et ma fille de 4 ans a été éjectée la dernière. Heureusement, bon, comme c'était donc une colline qui n'était pas très escarpée, et puis il y avait beaucoup de liasses d'herbes, vous connaissez la forêt d'Onyongwe, et les chocs n'étaient pas très forts, quoi. Et alors, on a essayé de s'entraider pour remonter la pente. Et on a remarqué que seule ma soeur, j'avais ma soeur qui était alors étudiante, elle avait une fracture au niveau de la jambe, mais c'était pas très, très prononcé, mais c'est elle qui a été le plus touchée, quoi. Donc on s'est entraîné pour arriver à la route principale. Donc, c'était vers peut-être 19h, oui, entre 18h et 19h. Donc, c'était déjà la nuit. Et donc, on a passé la nuit à la Belle Étoile sur la route. Et puis, très tôt le matin, il y a eu un convoi de militaires français, donc de l'opération Turquoise, qui est venu de Kiangougou et qui allait à Gikongoro. Donc, il nous a trouvés sur la route. Et donc, ils nous ont apporté les premiers soins et donné de quoi manger parce qu'on n'avait plus rien. Et ça a été salutaire pour nous. Et puis, bon, ils nous ont dit que bon, ils vont continuer la patrouille, mais qu'ils vont nous trouver une camionnette ou bien alors un bus qui va nous amener vers Kiangougou. C'est ce qu'ils ont fait parce que plus tard dans la journée, il y a un bus de l'Onatracom qui est venu et qui s'est arrêté donc parce que justement les militaires de l'opération turquoise leur avaient parlé donc de nous et donc ils sont arrêtés et nous ont embarqués dans le camion et nous sommes donc arrivés à Kiangougou dans la soirée quoi. Mais ça, notre belle-mère, bien sûr. Alors, quelques jours après, bon, la grande sœur est allée à la recherche de sa mère, pensa que bon, elle pourrait la retrouver peut-être soit tuée, soit vivante. Donc, il y avait plus d'espoir, mais elle a essayé quand même. Comme elle pouvait avoir l'escorte, donc était une femme d'un officier, donc elle a eu l'escorte. Ils sont allés donc jusqu'à la frontière de Kiangoué et de Butare. Mais arrivé là-bas, ils ne pouvaient plus, ils ne pouvaient pas aller donc dans la zone de Butare parce que les Imotani étaient déjà là.
Et donc, ils sont retournés sans rien trouver, enfin sans pouvoir donc accéder dans la région où on nous avait arrêtés. Et alors, une semaine après, nous avons eu des nouvelles comme quoi notre belle-mère, en fait, aurait été évacuée avec les sœurs et les prêtres qui étaient dans le diocèse de Butare. Et donc, ces sœurs et ces prêtres, ils ont été évacués de Butare jusqu'au camp de Gikongoro. Et notre donc belle-mère a été évacuée aussi avec eux. Donc on a eu ces nouvelles et puis donc elle est retournée. Elle est allée jusqu'au camp de Gikongoro, qui était aussi surveillé par donc les forces de l'opération turquoise. Et puis donc, elle a pu donc retrouver notre belle-mère qui était là-bas. Et que s'est-il passé? En fait, quand on l'a débarqué, quand on l'a donc laissé à tout près, en face de Guindamouyaga, tout de suite après notre départ, il y a eu une patrouille donc des officiers rwandais qui sont passés par là et puis ils ont vu cette dame. Alors, un des militaires a reconnu que c'est là donc la belle-mère au major Kanyamibwa, et alors a voulu l'aider quoi. Donc, alors il a trouvé un convoi qui allait de Kibuye, enfin de Gikongoro à Butare, qui donc allait chercher en fait les sœurs et les prêtres qui étaient là-bas. Alors, il a embarqué dans ce convoi, elle est allée là-bas, et puis elle a été évacuée de là-bas jusqu'à Gikongoro par après. Donc, il est sans nul doute donc, que cette dame qui vit actuellement donc, en France, à Paris d'ailleurs, elle a été rescapée grâce aux militaires de l'opération turquoise. C'était vers début juillet qu'elle a été donc que sa fille donc l'a retrouvée dans le camp de Gikongoro et l'a ramenée à Kyangugu. Et fort heureusement, justement, comme je venais de vous le dire, elle vit encore. Et donc, elle est vraiment une heureuse rescapée donc de l'opération turquoise. Et je vous remercie donc beaucoup. Nous-mêmes donc aussi. Si on n'avait pas eu ces premiers soins, si on n'avait pas eu cette assistance qui a été donc donnée par ces militaires de l'opération turquoise, on aurait eu du mal à quitter la forêt, à trouver donc un moyen de transport pour arriver à Kiangougou. Et notre cas, donc, c'est un cas qui est commun à tous les Rwandais parce que c'est pas nous seulement, il y a beaucoup qui ont été rescapés, qui ont été donc sauvés par l'opération turquoise. Pour moi, donc, c'est une opération qui a été humanitaire, qui a redonné donc une lueur d'espoir aux Rwandais, malgré que cet espoir, bien sûr, a été très vite dissipé, quoi. Donc, je vous remercie. Mon colonel Jacques Hogard, mon général Lafourcade, pour votre mission. Je pense que les Rwandais vous en revaudront toujours. Merci beaucoup. Ataka nyir'ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira ataka nyir'ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira ataka nyir'ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira.